Mais quand je suis arrivé en Chine il y a 20 ans, j'ai eu comme un coup de foudre. C'est-à-dire une relation d'amour, je peux le dire véritablement, qui ne s'est jamais démentie depuis. Et depuis 20 ans, je suis venu en Chine très souvent. Cet anniversaire, pour moi, est essentiel. Comme vous le savez, le 60e anniversaire dans la tradition chinoise, c'est quelque chose de très important, puisque c'est la fin du grand cycle des périodes des astres, des périodes du calendrier chinois. C'est 60 ans, c'est le renouveau, la renaissance. Il y a quelques éléments chinois, si on peut dire, quelques lumières, ambiances, problématiques chinoises dans la forme qu'on peut découvrir dans mes peintures. Je vois une petite peinture avec une lampe chinoise rouge, etc. Mais l'essentiel du travail que j'ai accompli, je pense, est aussi très inspiré de la peinture chinoise. Écoutez, j'ai passé un moment vraiment délicieux à rencontrer cette grande chanteuse et à rencontrer en même temps l'opéra de Kung, qui est un opéra, j'ai découvert, qui a une importance considérable dans la Chine tout entière et la musique, puisqu'elle s'est mise à chanter. Elle s'est mise à me montrer aussi comment était chinoise. Pour moi, ça me semble impossible. Je découvre toujours des cohérences nouvelles dans la pensée chinoise, et à chaque fois, elle me rassure. Elle me rassure parce que je trouve dans le peuple chinois, je ne parle pas chinois, mais je trouve dans les relations que j'ai avec la Chine beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse, beaucoup de professionnalisme et en même temps une grande joie.